Bonjour et bienvenue sur GianoVision.tv. Nous sommes au Festival d'été de Shawinigan. Je suis avec Dan Bigrand. Salut Dan. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Oui. Dan, l'entrevue, c'est... on veut parler un peu du cheminement qu'il y a à se rendre à la réussite ou à ce que les gens perçoivent la réussite. Toi, tu as commencé comment pour te rendre ici aujourd'hui? C'est tous des fantasmes musicaux. La réussite, il faut faire attention parce que la réussite que les gens voient, c'est la réussite qui est la plus évidente. Donc, l'espèce de moment où tu vends plus de 10 puis aussi plus de monde à tes shows. C'est pas nécessairement la réussite. Je connais des gens, moi, qui ont, par exemple, mis une toune sur leur disque, ils l'ont gratté après, puis c'est ce toune-là qui est devenu un hit, puis ils sont poignés avec cette toune-là toute leur vie, puis ça les fait chier. Puis alors que tout le monde est content, ils veulent pas gâcher le party de personne. Mais tu comprends, c'est pas toujours... Alors, la réussite devant tout le monde, c'est une chose, parce qu'on a besoin de la résilience, ça se fait dans les yeux des autres, je suis d'accord avec ça. Mais l'important, c'est d'être plus heureux qu'avant. Quand tu as ça régulièrement, puis tu le fais, par exemple, moi, en faisant de la musique ou des films, ben, c'est parce que tu as la bonne job, tu sais. Tu peux juste continuer, puis tu peux vieillir vieux comme ça. Faut que tu saches qu'à un moment, tu vas pogner, puis tu pogneras plus. Eux, ça me repogne. Je ne repognerai plus. C'est tout ça, les prix, les Phoenix, ces affaires-là, les jeux Mo, whatever, tout ça. C'est un jeu. C'est un jeu très sérieux. Moi, j'ai appris à jouer sérieux quand j'ai vu mon fils jouer avec ses blocs. Ça avait d'affaires à fitter. Là. C'était très sérieux, son jeu. C'est un jeu, mais il faut le savoir. Fait comme ça, quand. Parce qu'il faut faire attention de ne pas te passer trop haut quand tu es en haut. Mm-hmm. Ben, ça veut dire que quand tu vas descendre, tu vas redevenir un trou de cul. Il faut que tu y penses à ça. C'est un jeu sérieux, mais c'est un jeu. Il faut que tu apprennes à jouer. Puis au travers de ça, c'est important de t'exprimer. Si tu ne t'exprimes pas, tu vas déprimer. Puis ton métier, tu le fais pour rien à ce moment-là. Tu es encore tout seul, puis tu fais encore chier, puis tu es encore déprimé, ça ne sert à rien. Alors, si tu t'exprimes bien, puis qu'il y a un peu moins de monde, tu es plus heureux comme ça que l'inverse. Mm-hmm. Alors, Martion, on enseigne ça à tous nos combattants. Si tu es bien battu avec tout ce que tu as, puis honnêtement, mais tu as donné tout à 150%, puis tu as perdu, tu n'as pas perdu. D'un côté, si tu as gagné, mais tu as triché un peu, tu as passé une coupe de prise, tu n'avais pas le droit, tu n'as pas gagné non plus, tu es un mongol devant chez vous. C'est un peu la même chose avec une carrière. Tu le sais, toi, il y a juste toi qui le sais. Fait que tu peux mentir à tout le monde, mais toi, tu le sais. C'est vrai. Comme tout le monde, tu as vécu des embûches. Es-tu arrivé à des moments donnés où tu disais, là, écoute, là, moi, c'est fini, là, je veux plus rien savoir? Tu es arrivé à un moment donné, mais mon embûche, c'était moi. Mm-hmm. C'est la plus grosse embûche, c'est toi-même. T'sais, le reste, c'est des contrariétés. Travaille dessus, améliore-les, tasse-les, fais quelque chose. T'sais, tout le monde se débat dans la vie, il faut. Dans n'importe quel job, partout, dans toutes nos vies, même sans job, il faut se débattre dans la vie. Mais quand c'est toi le problème, moi, ça m'est arrivé. J'ai fait un disque, puis un critique qui a dit qu'il ressemblait à mon autre avant. Fait, je l'ai appelé Blanguelli, j'ai donné de la marde. Mais j'avais raison. Et puis quand t'es rendu, ben là, tu t'aperçois que tu t'es un peu autocopié, ça veut dire que t'as rien à dire. Si t'as rien à dire, tu fermes ta gueule, tu rentres chez vous. C'est ce que j'ai fait. C'est une déprime sur le moment, mais tu vois, ça a ouvert d'autres portes. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire des films, j'avais rien à faire. Mm-hmm. C'est bien beau rentrer chez vous, mais tu regardes le plafond, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à écrire. Puis j'ai commencé à écrire mes films là, puis ça a été bénéfique pour moi. Maintenant, je sais que ça va m'arriver encore. Il va y avoir des moments donnés où j'aurai rien à dire. Je vais rentrer chez nous, je ne dirai plus à personne, par exemple. Je n'annoncerai pas de retraite, tu as de la tweet quand tu vas revenir. Je ne dirai rien, mais je vais retourner chez nous. Je reviendrai quand je serai prêt, quand j'aurai d'autres choses. Tu sais. Ferland, il a fait ça toute sa vie, il a tout compris ça. Jean-Pierre Ferland, c'est le bon exemple pour ça. Il comprend bien jouer. Si, quand il est sorti, écoute pas ça, c'est des années qu'il n'y avait pas un disque qui avait marché. Il est sorti ça a marché. Il est venu prendre le succès, il est venu faire le spectacle, il est venu prendre le sourire des films, le sourire des filles, l'argent qu'elle avait. Il est venu prendre tout ce qui était le fun, il a joué à ça. Après ça marche moins. Il est retourné chez eux, écrire, sa femme fait de la peinture, il est heureux. Il sait jouer. Il sait s'organiser avec ça, il sait faire son métier, c'est un vrai pro. Faut pas trop s'en faire avec ce qui arrive. C'est normal qu'il y ait des hauts, des bas. Parce que tu peux pas forcer les gens. Les gens te demandent pas ton avis. Toi, tu penses, des fois, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. C'est peut-être bon pour toi, puis ça fait du bien pour toi. Peut-être que ça n'intéresse personne. Ça arrive. Puis des fois, tu penses, là, quand j'écris Petit cochon, jamais j'ai aucune espèce d'idée que ça pourrait sur nous. C'était très, très, très loin de moi, ça. Moi aussi, j'aurais fait les contes de Perrault, si j'en Mais, tu sais, tu peux pas deviner ces choses-là. Alors, quand tu n'es pas d'accord avec le public, des fois, tu voudrais être plus tranquille, puis des fois, tu voudrais qu'ils soient là. Mm-hmm. Ils sont pas là pour toi, c'est l'inverse. C'est toi qui es là pour eux. Alors, quand tu sais ça, c'est normal que des fois tu voudrais qu'ils soient là et qu'ils ne sont pas là. C'est correct, c'est acceptable. Tu as une famille, tu as des amis, que ta vie n'est pas vide. Il faut que tu apprennes à avoir une vie en dehors de ça. Quand j'ai fini un show, je rentre chez nous, famille.
J'ai des chums. Des fois, j'ai des idées. Des fois, j'en ai pas. Ma vie est très belle. Ça t'est-tu déjà arrivé le contraire? Ou toi, t'as fait, soit dans l'écriture, le film, la musique et tout ça, où t'as une chanson que, pour toi, là, c'est une réussite extraordinaire, mais que ça n'a pas passé par tête dans le public, mais t'es quand même, dans ta tête, c'est quand même une réussite. Oui. Ben oui, bien sûr, si la toune, moi, me rend heureux, c'est une réussite pour moi. Je suis content. Ça veut pas dire que c'est une grande chanson. Il y a pas grand monde qui l'aime. J'en ai plein de chansons comme ça. Mais je l'ai fait en show. Puis, tu sais, il faut faire attention, c'est succès, ça dépend d'un paquet d'affaires. Ça dépend, par exemple, si ça tourne beaucoup en radio. Mm-hmm. Moi, la radio, même pas beaucoup, ne tourne pas bien, bien. Je m'arrange sans radio. Et puis, j'ai l'impression que des fois, j'ai un hit radio sur un disque. Moi, ça, d'en avoir quatre, mais j'en ai un. Bon. Mais les gens vont acheter mon disque, puis ils découvrent mes tunes autrement. Puis, des fois, ils découvrent mes tunes par d'autres chanteurs. J'ai d'autres canaux que la radio. Fait que moi, j'ai pas beaucoup de hits dans la vie, mais j'ai des chansons qui ont pas marché fort, puis qui ont pas marché à la radio, mais. Tu vas entendre le monde les chanter à mon show, ça m'arrive souvent, ça. Comment tu te sens quand quelqu'un d'autre, un autre interprète, chante tes chansons? Ah, ça me ravit à chaque fois. Puis je monte un show cet été au Franco avec ça. Justement, des jeunes que j'ai dit, vous prenez mes tours, vous les détruisez, ça carrément. Je dis pas les réarranger, vous détruisez, fuckez tout, puis reprenez ça à zéro comme système de Bouton. C'est hallucinant d'entendre ça. C'est un gros fun. La part des gens font tes tunes à toi mieux que toi. Mm-hmm. Parce que toi, tu les as amenés à un endroit le plus loin que tu pouvais, puis après ça, eux autres, là, ce job-là est fait, ils ont juste besoin de l'amener ailleurs. Ils vont l'amener plus loin, c'est obligatoire. Quelqu'un qui a refait une de mes tunes moins bien que moi, c'est pas arrivé encore. Ils font tout le temps mieux que moi. T'as l'air d'un gars qui est très proche des gens. Je veux pas dire dans le besoin, mais des gens qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'être quasiment cajolé. Parce que je te vois souvent dans des choses dans ce style-là. Comment t'es avec les gens autour de toi qui sont, mis à part le show business? Je suis assez protecteur, je suis assez gros gars qui prend sa blonde dans les bras. Mais ça, c'est un truc de gros gars. Les gros gars cajolent, mais dans le fond, c'est pour se faire cajoler. Ils se font prendre dans les bras en faisant ça. Ils font tout à l'envers. Mais on est plus gros, nous autres. Je peux pas me mettre dans les bras de quelqu'un, moi, les foirer. On fait des choses différentes. Fait qu'en étant protecteur, dans le fond, on sera protégé, tu sais. Je connais ce game-là aussi. Mais c'est beau, ça aussi, de la tendresse. C'est une belle note pour terminer. Je te remercie beaucoup. J'ai un show à faire. Oui, éventuellement, il faudrait quand même que j'aille faire deux, trois notes. On va aller voir ça. Ça fait plaisir.